Bonjour, septembre 1968, la roue multiséculaire du moulin du pont Gaudalin à Sion-les-Mines s'immobilise définitivement. Ce moulin à eau construit au Moyen-Âge s'assoupit pour de nombreuses années. Ce qui a été sa raison d'être, moudre le blé pour produire de la farine, cesse et désormais la vallée de la Chère ne s'animera plus du bruit de l'eau sur les aubes. Il faut attendre 1984 pour que les propriétaires décident de remplacer la vieille roue et ainsi de redonner vie au moulin du pont Gaudalin. Le fait que depuis 1968 le moulin soit arrêté, puis qu'en 1984 la roue soit changée, a remis en route une dynamique autour de la sauvegarde de ce patrimoine qui était endormi depuis de nombreuses années. La particularité de ce moulin, c'est qu'à l'heure de sa fermeture, tout est resté comme à l'identique. Le matériel qui était là ce jour-là n'a absolument pas changé. Tout ne fonctionne plus, mais on a réussi quand même à remettre en route notamment la meule à blé noir, ce qui nous permet de fabriquer de la farine de blé noir. Je vais dire comme on le faisait, comme ça se faisait au Moyen-Âge. Et c'est quand même une particularité du moulin. C'est aussi pour ça qu'il est très intéressant à visiter. La roue, bien entendu, qui est le personnage central du moulin, sans qui il n'existerait pas, puisqu'un moulin à eau ne peut fonctionner qu'avec une roue. Une roue de 5,50 m de diamètre, une roue qui pèse 3 tonnes, qui a 32 palettes. Cette roue a été rénovée, bien évidemment, mais elle a été rénovée à l'identique de ce qu'elle a été probablement faite, créée au 19e siècle. Et puis l'aspect musée, cet aspect pédagogique de la découverte de l'activité du moulin, de la fabrication de la farine à partir des nombreuses graines qu'on peut écraser. Ça, c'est important aussi, et notamment pour les jeunes générations qui ne savent pas forcément comment tout ça fonctionnait. Le visiteur peut alors regarder, toucher, sentir, écouter et comprendre. À côté du musée, un diaporama vous transporte dans le temps par l'évocation poétique de la vie du moulin à travers la saga de la famille Cavet, propriétaire depuis 1911. L'association compte aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents. Et ces adhérents, ils sont surtout mobilisés pour les grands rendez-vous que l'association propose aux visiteurs, c'est-à-dire la fête du patrimoine en septembre et la fête des moulins en juin. Ces deux fêtes sont importantes pour nous. Ces deux journées-là, le moulin est entièrement gratuit à la visite. Et surtout, ça nous permet de faire découvrir au plus grand nombre à la fois le patrimoine historique dont on a parlé, mais aussi un patrimoine, on va dire, gustatif, puisqu'on propose aux visiteurs de venir flâner au moulin et de pouvoir déguster des galettes de blé noir faites sur place, et puis de boire une bonne bolée de cidre tranquillement assis à une table. On a une plaquette qu'on diffuse dans les offices de tourisme. Depuis 5 ans, on a un site internet sur lequel on peut trouver tous les renseignements utiles. L'association est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par ce patrimoine, à le mettre en valeur et à le faire visiter. Le moulin est donc situé au lieu-dit Le Pont à Sion-les-Mines en Loire-Atlantique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.moulindupont.ouvaton.org.